Bonjour à toutes, ici Sandra Sirois. Récemment, je suis allée au Maroc et au départ, j'avais pas prévu faire de vidéo à ce sujet. Mais en regardant les images, j'ai vu qu'il y avait peut-être assez de matière pour en faire une vidéo. Alors, je me suis dit, why not coconut? Alors, voici mes impressions du Maroc. C'est un super beau pays que je vous recommande de visiter. Et la première chose que je vais faire, c'est de répondre à la question que plusieurs filles se posent. Est-ce que c'est sécuritaire de voyager toute seule au Maroc? D'après mon expérience personnelle, je vous dirais oui. Au départ, j'avais vraiment peur de mettre des vêtements courts. Mais finalement, après avoir passé 2 semaines au Maroc toute seule, je vous dirais là, qu'à la fin, j'étais super à l'aise de porter des robes. Peut-être pas des jupes hyper courtes, là, mais une robe qui arrive quelque part au-dessus du genou, il n'y avait vraiment pas de problème. Salut tout le monde! Alors, c'est ma première nuit à Marrakech. Il est genre minuit. Les rues sont bondées. Là, ici, en ce moment, là, c'est pas si pire, là. Mais partout ailleurs, il y avait tellement de monde. Sur la plaza, là, il y avait... C'était bondé. Il y avait du monde qui dansait, qui chantait. En tout cas, les gens profitent de la vie ici, c'est le cas de le dire. À date, tout se passe bien. Je me suis fait demander en mariage 5 fois. Je vais pas vous parler de mon itinéraire complet parce que vous pouvez le retrouver sur le site de cougarmag.com, mais je voulais vous partager un truc que vous devez absolument faire si vous allez au Maroc. C'est de vous réserver un tour à Merzouga et de passer une nuit dans le désert du Sahara. Alors tout le monde, je vous présente mon chameau. C'est avec lui que je vais aller faire un tour dans le désert, 1 heure dans le Sahara. Je suis en train de réaliser un rêve en ce moment. Je suis tellement contente! Avec un super groupe. Hyper sympathique. Alors voilà! Oh my God! Oh my God! OK. Ça bouge vraiment beaucoup. Oh mon Dieu. Woo! Yeah, I have a good camel. Good camel. Yes. Là, on rentre dans Sahara. C'est fou parce que ça commence comme d'un coup. Là, il y a du sable. Là, il n'y en a pas. Là, il y a du sable. Et du sable à l'infini. Et là, c'est de la roche. Complètement fou. Dans le désert du Sahara. C'est pas pire quand même, hein? C'est vraiment comme dans les films. We have a problem! It's on my fault! J'avais enlevé mon foulard, là, parce que j'avais chaud, mais sans foulard, c'est encore plus chaud. T'as le soleil qui tape direct sur ta tête. Fait que j'ai décidé de le remettre. Là, j'ai pas pu le mettre comme le gars me l'a mis, mais tu sais, j'ai fait ça maison. Je vous confirme que dans le désert du Sahara, il fait chaud en tabarouette. Mettez de la crème solaire. Very itchy. Itchy, eh? I like your other one better. Je vais escalader la dune de sable jusqu'au top! J'espère que je vais y arriver. C'est vraiment pas évident! Le sable est tellement doux là. Seriously, is there scorpions in here? Like! I don't want to risk my life! I can't do it! Come on, ladies! We can do it! We have to show the guys that we can make it! You can do it! Come on, you can do it! Come on! Yes, I'm almost there! Yeah, almost! This is the most easiest spot. Okay. Jesus.
Hi guys. Hello. I made it. Sandra, look, where are my legs? Oh, I don't know. Yeah, they're gone. They're gone. Yeah. All right. They walked away somehow. When I walked, wow. La vue est époustouflante. Look! Only my one leg is left. See? Oh! Quand j'ai entendu parler de ce tour-là, je pensais que les gens dormaient dans un sac de couchage à la belle étoile en plein milieu du désert avec comme compagnon de lit des scorpions. Et j'étais pas certaine au départ si je voulais faire ça, mais finalement, c'est pas ça du tout. Non, attendez, c'est pas vrai. En fait, il y a des tours pour tous les goûts. Alors, si vous êtes une personne plus du style aventurière, vous allez trouver un périple fait pour vous. Mais moi, je suis une petite princesse. Et pour éviter le plus possible de dormir avec des scorpions, j'ai décidé de me louer une tente de luxe. Je me souviens plus du prix, mais pour vrai, à ce que je me rappelle, c'était super abordable. Regardez les souliers, là. Alors, ça, c'est le camp dans le Sahara, où est-ce qu'on va dormir ce soir. On va aussi manger un souper en plein dans le désert. Et je vais vous montrer ma chambre. Ben, en fait, ma tente, c'est la tente numéro 2. C'est pas écrit nulle part, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est une tente de luxe. Oui, monsieur, madame, je me suis payé la traite. Donc, un lit queen avec, attention... Je vous rappelle qu'on est en plein dans le désert du Sahara. Une douche, un lavabo et une vraie toilette. Parfait pour une petite princesse comme moi. No joke, on a même le Wi-Fi. En plein désert. Alors ce matin, je bois mon café. Avec cette vue. Sur ce, bonne journée la gang. Et vous, êtes-vous déjà allé au Maroc? Quelle a été votre expérience et vos activités favorites? Écrivez-le dans les commentaires. Aussi, pour plus de contenu voyage et lifestyle, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Cougar Magazine. À bientôt pour une autre vidéo. Pas ça? It's the late request. Yes, I know. Is that a prayer? Yes. Yeah, yeah. Yes, it's like this, this Adhan, and after 10 minutes or 15 minutes, when all people are there in the mosque, then pray together like a group. Oh, okay. But you can do it alone for me now, because I'm working, I do it alone. Ah! Yeah. You do it there? Yes. Okay.